Ba mama batata bandeko epa inyoso bozali mbote. Lelo naza na kati ya koyeba ke balandi nyoso ya les amis de Wechi ba bandi kobongisa bivandeli na bango po balanda oya bango moko Cyprien Wechi avocat du diable. Lelo toko expliquer idéologie à les amis de Wechi. Pourquoi les amis de Wechi? Lelo tokoyeba yango. Batu ebele batu na kangai. Pourquoi les amis de Wechi? Bino moko boyebi komo nangai Cyprien Wechi. Association pe les amis de Wechi. Batu ebele bami tungisaka pona nini Cyprien Wechi azwika kombo na ye apesi na association. Ye akomi nani? Selon logique ezalaka soki mutu akufi batali ba realisation na ye soki ba realisation wana ezalaki na cadre ya solidarité bazui association moko boye bapesi kombo na ye. Mais oya Cyprien Wechi ye moko ala muki kaka boye a créé association apesi kombo na ye. Yango lelo na décidé pe ba les amis de Wechi nyoso ba décidé to expliquer idéologie à les amis de Wechi. Pourquoi les amis de Wechi? Ba mama batata bandeko origine ya les amis de Wechi remonté vers les années 40. Kombo ya Wechi eza kombo ya tata na ngai. Période wana azalaki mwana muke autaki kosilisa école primaire na ye na Kindu Manyema. Tata na ngai aza mutu ya Manyema. Na période wana na Manyema école secondaire ezalaki te. Il était obligé akende na Katanga pour continuer ba études na ye secondaire. Père na ngai de Kindu akei Kalemi. Kalemi oto banaye kobenga Albertville. Kuna atanga ki école secondaire na ye. Mais batu mosusu babanaye ko aide ye lere ya bampiaka babanaye ko aide pe parfois ceux qui mbongo na ye et comme il a retard okomona mutu mosusu a fouteli ye Minerval. Après vers les années 50 papa a silisa ki classe na ye abandi kosala. Et durant toute sa vie, il nous disait, mes chers amis, mes chers enfants, ce qui vous a bien, c'est parce que moi aussi j'ai été aidé par les autres. Et durant toute sa vie, il aidait les élèves en difficulté. Parce que Yemoko aza fui à solidarité. Et il nous disait toujours, bananangai, ce qui vous a na mbongo, ce qui vous a na moyen, au moni mutu, o yaza na mayele. Yako tanga, azangi mbongo, il faut aider ye. Et ide na ye, ezalaki ko créer association moko boye. Neti ba Croix Rouge, neti ba UNICEF. Po yako sunga, bana na biso. Alors vers les années 90, il est mort. Yango ngai Cyprien na banaye koyoka, ndenge papa banaye koloba. Pour réaliser maintenant les dernières volontés de mon père, nazwa ki likanisi, yako sala les amis de Wechi, pe na pesi kombo na ye, association les amis de Wechi. Avec objectif solidarité. Oh, ki journaliste to kota ki, eza moyen. Oh, tozo utilisé pour atteindre objectif na biso, ya solidarité. Yango, na kreaki les amis de Wechi na pesi kombo ya Wechi. Wechi wana ezanga ite, eza Wechi Alexandre, kombo ya tata na ngai. Et pour faire quelque chose, na salaki théorie ya solidarité à cette étape. Depuis 90 na bandi kokoma théorie na ngai. Théorie ya solidarité. Et après na 93, na appliqué yango.
Tolanda réalisation, y a les amis de Wechi, à partir y a théorie na biso ya solidarité. Créé en 1993, en plein cœur du quartier africain de Matongé, l'ASBL Les Amis de Wechi a mis sur pied une chaîne de solidarité belgo-congolaise pour encourager les élèves aux études. Il s'agit de consacrer chaque année des sommes d'argent modestes sous forme de prix de soutien aux élèves de la région. Chaque donateur a le droit de fixer les conditions d'octroi du prix, de désigner le prix par un nom de son choix, de choisir une école où le prix sera affecté et de remettre le montant du prix entre les mains de l'ASBL Les Amis de Wechi qui s'en chargera de la remise. Les bénéficiaires sont informés au cours d'une émission télévisée réalisée chaque semaine à Bruxelles et diffusée à Kinshasa par les initiateurs du projet. Combo ya prix Oyo, Tropical Music Shop, chez Domingos de Aken. Prix Oyo na pesi yango na école Saint-Pierre na commune de Kinshasa, 30 euros. Quelques mois après la campagne de récolte des fonds, la délégation atterrit à Kinshasa. Le premier boursier livre son témoignage lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. Distingués hommes de la presse, je m'appelle Cyprien Massakalopepo. J'ai 27 ans d'âge, je suis étudiant en deuxième doctorat en médecine de l'université de Kinshasa. Je suis heureux et très honoré de réitérer ici publiquement et devant les hommes de la presse ces témoignages que j'ai toujours fait dans mes innombrables lettres adressées à l'ASBL Les Amis de Wechi et même dans tous mes travaux académiques sur ce que l'ASBL a fait pour ma vie. En effet, je suis bénéficiaire du volet fonds d'études de la chaîne de solidarité mise en place par l'ASBL Les Amis de Wechi, car j'étais lauréat national en biologie chimie avec 81% à l'issue de l'examen d'état de l'édition 1993. Après quelques semaines de la publication des résultats, j'ai été informé par l'évêque de Kindu, Mgr Mambe Mukanga Paul, et par le préfet de notre institut, Institut de l'ENANO, le révérend frère mariste Marcel Bossuite, que l'ASBL, Les Amis de Wechi, venait de m'accorder, de m'octroyer une bourse d'études pour mes études universitaires dans une université à l'époque zaïroise de mon choix. Et en plus de cette bourse, l'ASBL m'a donné un billet d'avion pour mon déplacement de la ville de Kindu jusqu'à la ville où se trouverait l'université de mon choix. Alors que dans la famille, c'était la consternation, vu ses moyens très limités, ne pouvant pas me permettre d'atteindre même la capitale pour poursuivre mes études universitaires, je dois vous avouer que cette nouvelle de la bourse que l'ASBL m'a octroyée était accueillie et est considérée jusqu'à ce jour comme étant un message et une voie de salut pour la famille et pour toute la société. Je dois ajouter aussi que mes résultats avaient également attiré l'attention d'un autre ressortissant de notre province, à savoir M. Alexis Tambouemamba, qui s'était également engagé à m'aider durant mes études à l'université. Ayant choisi l'université de Kinshasa, j'ai fait donc mon déplacement de Kindu jusqu'ici, par le billet que m'avait envoyé l'ASBL, Les Amis de Wechi, j'ai pris mon inscription à la faculté de médecine où j'évolue normalement jusqu'à ce jour et je suis maintenant en deuxième doctorat de médecine
comme pré-finaliste. Et c'est là grâce essentiellement, je dis bien essentiellement, à cette bourse que m'alloue l'ASBL et qui me permet de faire face à tout ce qu'il y a comme besoins sociaux académiques. C'est ainsi que je ne saurais terminer, en tout cas mon message, sans réitérer mes sentiments de profonde gratitude et de remerciement à cette ASBL qui a pu penser à ses élèves de notre pays et à moi particulièrement, comme vous savez bien, avec les systèmes de prise en charge. Le système éducatif est pris en charge par les parents et ces parents sont non seulement impayés, mais ils sont sous-payés. Vous imaginez bien combien de génies sont en train d'être sacrifiés et d'être terrés dans notre nation. Voilà ce que je pouvais dire comme témoignage. Et je vous dis sincèrement que les actions de l'ASBL ne sont pas des fictions, c'est vraiment une réalité et j'en suis une preuve vivante et palpable. J'ai dit et je vous remercie. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant vous pour témoigner de la bienfaisance de l'association Amis de Wichi. Je m'appelle Crispin Lodi Usaku, je suis présentement finaliste à la faculté des sciences au département de biologie où je suis en deuxième licence biotechnologie. En effet, j'ai été bénéficiaire du prix Amis de Wichi. C'était le prix, je crois, donné par M. Robert Yata en cinquième année. Il faut dire que ce prix a couronné mes efforts scolaires en cinquième année parce que là, j'ai terminé la cinquième année scientifique biochimie avec 75% si mes souvenirs sont bons. Et ce prix m'a permis donc de payer le Minerval de la sixième année, de m'acheter les cahiers, le stylo, de louer les livres et d'autres frais pour la participation à l'examen d'État. Il faut dire que j'ai été encouragé, c'est ainsi que même à l'examen d'État, j'ai bien travaillé et j'ai réussi, disons, à l'examen d'État avec 72%. C'est aujourd'hui l'occasion que je dois saisir ici et maintenant pour remercier Monsieur le Président de l'association Amis de Wichi et à travers lui tous les donateurs de la dite association pour ces gestes qu'ils ont bien voulu faire à ma modeste personne. Je formule le vœu de voir cet élan de solidarité continuer afin de permettre à la jeunesse congolaise de continuer les études. Je dis et je vous remercie. Le gouverneur de la province du Maniema nous parle de notre premier boursier qui est devenu médecin, chef de zone dans sa province. Ah oui, docteur Massaka Lopepo, je le connais très bien parce que je vous dis que moi-même je suis médecin. J'ai connu Massaka Lopepo comme médecin chef de zone de Kailo à l'époque, mais maintenant il est médecin chef de zone de la ville de Kindu. C'est la capitale de la province, donc le chef-lieu de la province du Maniema. C'est un médecin dont ses prestations sont très très bonnes hein, parce qu'au regard des indicateurs, par exemple en termes de prévention, nous voyons que le taux en termes de vaccination des enfants de 0 à 5 ans, le taux est vraiment très très élevé et la prise en charge de certaines endémies ponctuelles. Il fait un très bon travail. J'ai appris que c'est votre organisation, les Amis de Wichi, qui l'ont appuyé. Et là, je vous en félicite sincèrement et je crois que si vous continuez dans cet élan, ça serait une très très bonne chose. Docteur Massaka fait un très bon travail et je l'encourage. Je crois que c'est un garçon qui ira très loin dans sa vie. L'équipe de l'association se rend dans toutes les écoles choisies. Après vérification des conditions fixées par les donateurs, les bénéficiaires reçoivent le montant de leur prix. Prix Domingos de Aken. L'année dernière, l'année scolaire 2001-2002, c'est l'élève Juma Amisi qui a répondu à ces conditions. Non seulement il a eu 75%, mais les enseignants ont jugé qu'il était aussi discipliné, régulier. Juma Missi a fait 210 jours de cours, 210 jours de présence. Même s'il pleuvait, Juma Missi était toujours là prêt. Très poli, très docile, les devoirs toujours à jour. Et très entreprenant. C'est ce qui a fait que Juma Missi ait eu cette distinction. Et Juma Missi, d'ailleurs, à l'examen de l'école, il avait eu 80%. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu ce prix-là. Voilà, dans cette enveloppe, il y a 30 euros. Au nom de l'ASBL, les Amis de Wichi et du donateur, nous te les remettons en guise de reconnaissance pour que tu puisses
travailler encore plus pour que tu puisses être un exemple pour les autres. Mes félicitations. Applaudissements. Voilà. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a 30 euros. Il faut ouvrir l'enveloppe, hein, parce que peut-être il n'y a rien dedans. Il faut peut-être ouvrir. Ça, c'est 10 euros. C'est 10 euros. Il y a encore 20 euros dedans. Voilà. Hein? Les euros, c'est quelle monnaie? Ouais, c'est quelle monnaie alors? Européenne. Ah, c'est une monnaie européenne. Euro signifie européen. Hein? C'est presque équivalent au dollar. Hein? C'est presque 30 dollars. Si nous sommes là, c'est pour un but bien précis. Nous sommes une ASBL qui est installée à Bruxelles. De Bruxelles, nous avons lancé ce que nous avons appelé une sorte de chaîne de solidarité sous forme de prix de soutien. Ce prix de soutien est donné sous forme d'argent. Nous intéressons des donateurs qui, avec des sommes modestes, essaient d'aider les élèves, mais aussi les étudiants qui sont restés ici au Congo. Le Congo qui reste notre pays parce que la jeunesse, c'est vous et c'est vous l'avenir de demain. Et donc, un donateur a choisi cette école pour récompenser les plus méritants. En tout cas, c'est lui qui aura bien travaillé. Et il s'est fait que celui qui a travaillé l'année passée, en sixième primaire, c'est l'élève qui est devant nous. Et comme par hasard, il n'est pas en uniforme comme vous. Vous avez sans doute deviné, monsieur le ministre, ça c'est un cas qui doit interpeller pas mal de conscience. Un élève aussi méritant, c'est le premier, avec plus de 80%, mais qui se retrouve au chômage. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne s'est pas payé ses frais scolaires. C'est un cas qui doit poser pas mal d'interrogations au niveau du fonctionnement. Peut-on laisser autant d'intelligence dans la rue? Peut-on laisser autant d'avenir dans la rue, parce que si nous sommes là, tout est repos sur l'avenir, parce que j'ai dit souvent que le Congo de demain sera fait par les élèves, l'avenir, la jeunesse, et ces jeunes que nous allons récompenser avec une somme relativement modeste, c'est à notre niveau, mais ici nous nous adressons solennellement à vous. Est-ce qu'on peut fermer les yeux sur ces genres de problèmes? Un élève qui a terminé, un lauréat, qui se retrouve chez lui à la maison, simplement parce qu'il ne s'est pas payé ses frais scolaires. S'il y a une caméra, c'est parce que tout ce que nous faisons est en collaboration avec une chaîne de télévision qui est installée ici, CTKM, qui diffuse nos émissions depuis bientôt 3 ans. L'émission s'appelle Euroshow, elle passe tous les samedis à partir de 21h30, mais le reportage que nous sommes en train de réaliser, et surtout le cas de notre ami ici, passera ce soir aux informations. Mon collègue qui va tout expliquer peut prendre la parole. C'est notre ASBL, les amis de Wechi, qui a bien voulu récompenser le premier de la classe de la 6e année primaire, de la 6e primaire A de cette école. Et comme l'a si bien dit, c'est M. Bouloki Bukaka, ici à côté, qui bénéficiera de ce prix. Il a réussi avec 82%. Et comme on venait de le dire, on l'a constaté, il est à la maison. Par faute de moyens. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos 30 euros, cette modeste somme. On ne sait pas si ça va se consoler un peu. Et ces 30 euros seront subdivisés par deux. Il y a 15 euros qui iront à l'école pour le fonctionnement. Les 15 euros, nous allons les remettre à M. Bouloki. Voilà, félicitations. Vous avez ici les 30 euros. Merci. Bouloki est un enfant vraiment très intelligent. Mais souvent, qu'est-ce que nous remarquons en classe, à l'école, les enfants intelligents ne sont pas soutenus. Ce sont des enfants souvent les parents sont décédés, ou encore ce sont des enfants dont les parents sont démunis. Vraiment, mon souhait est que les amis de Wech descendent, non seulement à l'EP6, mais dans toutes nos écoles en général, où ils peuvent recenser les enfants qui sont démunis pour que les amis de Wet les viennent en aide. Un message parfaitement décrypté par l'association Les Amis de Wetchi, qui dans la prendre connaissance de la situation sur place. Mais une fois sur le terrain, les craintes nourries par l'ASBL se confirment. Illustration à travers cette rencontre avec un groupe d'élèves exclus un peu plus tôt dans la matinée.
est coupable du crime d'être dans l'incapacité de payer le minerval scolaire. Vous tous ? Oui ! Oui ! Oui ! Qui avait 80%? Wow. 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 On va aller vérifier. Oui. Nous allons aller vérifier. Oui. L'année passée, tu avais combien? J'avais 86. Qui a encore eu 80%? 80%. C'est toi? Hein? Oui. Ceci. Oui. Oui. Bon, tu passes ici. C'est qui avait 70%? Moi. 73%. On va vérifier. 73%. Combien? 73%. Oui. Ici? Moi j'ai 74%. Ici? 70%. Ouais. Moi, 70%. Et pourquoi vous êtes à l'extérieur? On m'a chassé. Pourquoi? Pour le feu scolaire. Face à ce phénomène, les amis d'Ouechi prennent alors une nouvelle fois leurs responsabilités et décident, après vérification des registres scolaires, de régler le minerval de ces élèves méritants, mais néanmoins laissés pour compte, contribuant ainsi à leur réintégration dans l'établissement. Voilà tes 30 euros. Tu les prends, tu les mets au directeur des études. Lukombo Lungutila, tes 30 euros, tu les mets au directeur des études. Merci. Batibua Mbango, tes 30 euros, tu les mets au directeur des études. Merci. Mukunda Bitongo, vos 30 euros, tu les mets au directeur des études. Quelques kilomètres plus loin, à Saint-Vincent-de-Paul, ici aussi, le phénomène d'exclusion d'élèves en défaut de paiement fait désormais partie du quotidien. Voilà, je disais qu'il y a 150 euros là pour payer une avance de 5 élèves dans cette école. À raison de 30 euros par élève, je prends l'argent, je remets à l'élève qui à son tour remettra à son professeur. Normalement, c'est une classe qui devait avoir 15 élèves, mais les autres sont chassés pour n'avoir pas payé les frais. Alors c'est pourquoi je vous remercie d'ailleurs pour ces gestes qui viennent juste au moment où les élèves venaient d'être chassés et les deux qui suivent les cours sont en train d'assister à cette petite cérémonie. Je pense que ça me va tout d'ok. Qui a fini déjà? Étudier à même le sol, une position inconfortable pour de nombreux écoliers en RDC, mais qui comporte également quelques risques pour les professeurs, lesquels rechignent plus souvent qu'à leur tour de superviser et corriger comme il l'aurait fallu ici, le travail des élèves par la seule crainte de solliciter leur dos. Comme dans ma classe, j'ai 49 élèves. Sur les 49 élèves, à peu près la moitié, ce sont les élèves plus intelligents. Et les élèves les plus intelligents, les parents ne parviennent plus à payer les minerais. Ils sont tous chassés. Alors, je suis resté qu'avec les élèves faibles qui ne font rien. Alors, je ne sais pas comment est-ce que moi j'ai pu faire. Depuis plus de 16 ans, les Amis d'Ouechi sensibilisent la communauté internationale sur l'ampleur du désastre de l'enseignement en République démocratique du Congo. Après plusieurs années de guerre, la République démocratique du Congo tente de se reconstruire. La reconstruction passe par l'éducation. Regardez ce reportage tourné sur place à Kinshasa. L'accès à l'enseignement reste problématique. Renaud De Witt. À l'école Wangata de Kinshasa, il n'y a ni banc ni chaise pour les élèves. Les enfants doivent s'asseoir à même le sol. Conséquence de la guerre, le pays est aux abois. Les seuls instruments pédagogiques sont le tableau noir et pour les plus chanceux, un cahier et un crayon. Nous travaillons dans des conditions très difficiles parce qu'il n'y a pas de banc pour les élèves. Pour apprendre la calligraphie, les enfants ont des problèmes car ils tentent d'apprendre à écrire à même le sol. C'est pourquoi nous aimerions que les autorités viennent visiter cette école et se rendent compte de ces problèmes. Pour pouvoir accéder à l'enseignement, les élèves doivent payer un minerval équivalent à 80 euros par an. Au début de l'année scolaire, il y a une septantaine d'élèves par classe, mais peu à peu les classes se vident, les parents ne peuvent plus payer. À la fin de l'année, seuls un quart des élèves ont pu achever leurs études. Les frais vont fuir et puis les places seront vides. Ils vont fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer le minerval. Tout le monde ne sera pas à mesure de payer les frais.
Alors pour l'évidence, on prend d'abord les effectifs comme ça. Il y a là dedans cette enveloppe 30 euros. La SBL, les amis de Wichi, tentent d'aider les jeunes Congolais afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. L'année dernière, ils ont distribué 77 bourses de 30 euros et une bourse de 300 euros aux élèves qui ont fait les plus gros efforts scolaires. Les bourses étaient offertes par des Congolais vivant en Belgique. Nous avons essayé de contacter les maximum de Congolais qui sont installés là-bas pour essayer d'aider, de venir en aide aux élèves mais aussi aux étudiants qui sont en République démocratique du Congo, qui est notre pays. L'accès à l'éducation est primordial pour reconstruire ce pays à l'agonie où la plupart des structures ont disparu. Cependant, outre les problèmes liés à l'éducation, la malnutrition fait aussi des ravages. Elle toucherait 30 à 40% des jeunes d'Afrique centrale. Les amis de Wichi, c'est le nom d'une ASBL, l'initiative d'un Congolais qui vit en Belgique. Il dénonce la mauvaise gestion de l'enseignement au Congo et pour inverser la tendance, il demande à ses compatriotes qui vivent ici en Belgique de se mobiliser. Reportage Saravis. Ils s'entassent à même le sol, ils sont 70 par classe, ils n'ont ni banc ni matériel scolaire. Et pourtant, ils ont de la chance, car au Congo, souvent, les enfants n'ont même pas les moyens de fréquenter une école. Des Congolais basés à Bruxelles se mobilisent. Ils ont créé des bourses pour permettre à ces enfants de retrouver le chemin de l'école. Notre association se donne comme objectif de chercher des donateurs. Ce sont des donateurs qui créent un prix. Ce qui est important dans cette opération, c'est le principe même et de redonner confiance aux Congolais, qu'on peut faire confiance aux Congolais. L'an dernier, 77 prix ont été attribués. Les élèves les plus méritants ont reçu 30 euros. Le salaire mensuel d'un professeur est de 20 euros. L'association dénonce le manque de prise en charge par les autorités congolaises. Nous nous adressons ici solennellement à vos chers collègues, mais surtout à vous, Monsieur le Ministre, Excellence. Peut-on laisser autant d'intelligence dans la rue? En attendant, les amis de Wichi ne baissent pas les bras. Pour aider ces enfants, ils font appel à la solidarité de tous, à commencer par celle de leurs compatriotes installés en Belgique. La situation est catastrophique. Là, je profiterai de cette occasion pour lancer un message à tous les Congolais. C'est à nous qu'il convient de développer notre pays, de faire les premiers efforts avant même de se tourner vers la communauté internationale. C'est pourquoi une cotisation d'urgence s'impose. L'ASBL rêve aussi d'offrir des bancs à tous les enfants. Aujourd'hui, là où il y en a, il se les partage à quatre. Dès notre retour à Bruxelles, une cotisation d'urgence est organisée en faveur du lauréat du prix de soutien après reportage de AB3 et RTL sur l'éducation en République démocratique du Congo. Touchés par la situation, les Congolais ont cotisé 140 euros, montant indispensable pour payer les frais scolaires de l'année passée et ceux de l'année en cours, ainsi que les fournitures scolaires et l'uniforme. 130, 135, 140 euros. Quelques jours après, l'argent est arrivé à Kinshasa. 140 euros. Après avoir payé le Minerval, la directrice a pu remettre le bulletin confisqué à l'élève. Et avec ce paiement, madame la directrice peut maintenant me remettre le bulletin de l'élève. Voilà le bulletin de Bukaka. L'élève Bukaka, de Boulot. Boulot qui Bukaka est là. Il a réussi avec 82%. Son bulletin là, madame vient de me le remettre. L'élève Bouloki Bukaka a retrouvé le chemin de l'école. Actuellement, il est étudiant à l'université de Kinshasa, en premier graduat en sciences économiques, grâce à la chaîne de solidarité belgo-congolaise. Merci pour ces gestes. Le présentateur a dit que c'est un petit geste. Mais le geste, un bon geste n'a jamais été petit. Petit soit-il, mais il est allé tout droit au cœur. C'est pour cela que nous demandons à l'Éternel de bénir tous les amis de Wetch pour qu'ils pensent aussi à sponsoriser d'autres enfants. Vous le voyez, ils sont nombreux. L'école a beaucoup d'élèves, mais aujourd'hui c'est presque la moitié. Pourquoi? Puisque plus de la moitié d'élèves n'ont pas encore payé le Minerval. C'est pour cela qu'ils ne sont pas nombreux. Si vraiment il y a possibilité de penser à d'autres enfants, d'autres enfants du Congo sont malheureux, sont aussi intelligents, hein, mais n'ont pas la possibilité d'étudier.
En 2005, devant le conseil communal, Cyprien Ouetchi, le coordinateur de la SBL, sollicite la collaboration de la commune d'Ixelles et demande l'ouverture d'un compte bancaire géré par le receveur communal, et ce par souci de transparence, mais aussi afin de rassurer la communauté africaine. Ce qui est intéressant ici, c'est que la commune apporte sa caisse de résonance à l'opération pour multiplier les donateurs et qu'éventuellement l'argent de la commune puisse servir aux actions de coopération avec Kinshasa et Calabo. Enfin, monsieur le conseiller, quand tu vois l'impact que 50 euros a à ce niveau-là, moi je dis que 5000 euros de la commune, elle ne va pas mourir pour ça. Moi, je et là, au moins, on sait que c'est un projet qui est clair, net, précis et qui va du donateur à l'utilisateur. Et bon, les images que tu as montrées parlent elles-mêmes. Pas besoin d'ajouter des discours. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je dis, je ne suis tout à fait pas contre le fait qu'il y ait un budget qui pourrait être réservé par la commune en plus, que la commune soit donateur aussi. Ça pourrait être une proposition des membres de la section du jumelage. À mon sens. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on devrait, hein, on devrait le faire. On devrait demander à ce que la commune participe également dans cette opération financière. Elle peut, ça a 1000, 10 000, parce qu'il y a moyen. 100 000, 100 000, c'est le MR qui va. C'est le 26 mars 2005, au studio 4 de l'ancienne maison de la radio située place Flaget, que l'opération Un banc pour tous, initiée par les amis de Ouetchi en collaboration avec la commune d'Ixelles, a véritablement pris son envol. Cette occasion, une cagnotte importante a été réalisée avec un apport de 5000 euros de la part de la commune d'Ixelles. Le salaire est de 8700 euros. Sœur Emmanuelle manifeste son soutien à l'opération Un banc pour tous. Je crois que vous devez arriver à obtenir des journalistes et surtout radio-télévision. Vous devez préparer des petits films qui soient très parlants et arriver à les faire passer. Il n'y a rien de meilleur que la télévision. Des petits films de 3 minutes, ça peut être long, mais quelques images suffisent. Allez-y, vous allez réussir. Bravo. Un message de solidarité donc de la part de Sœur Emmanuelle, un message qui manifestement a déjà trouvé écho auprès de la communauté congolaise qui tente par tous les moyens de se mobiliser pour venir en aide aux enfants de la RDC. Touchée dans son amour-propre et atteinte dans sa dignité, la communauté congolaise est déterminée plus que jamais à poser un acte fort en contribuant à hauteur de ses moyens pour l'opération Un banc pour tous. C'est notamment le cas de la Fédération internationale congolaise créée par d'anciens étudiants de l'ULB licenciés en sciences économiques. Ben, notre contribution s'élève à 100 euros, dont l'enveloppe se trouve ici. Et je voulais simplement dire une chose, il était vraiment impérieux pour notre association de pouvoir participer à cette opération, d'autant plus que ça marquait notre volonté indéniable de pouvoir aider les jeunes gens au Congo qui veulent bien étudier. Mamie a combien de pains ? 6 pains. Mamie a 6 pains. Touchés par les images de Télématongué diffusées sur TLB, les téléspectateurs ont également tenu à verser leur contribution. En tant que mère et en tant qu'enseignante de formation, j'étais décidée à donner une part de contribution afin que tous les enfants en République démocratique du Congo étudient dans des conditions décentes. Vous avez fait quelque chose de magnifique dans ce sens que initiative congolaise, mais suivie aussi par d'autres communautés, en l'occurrence des Belges, qui tout d'un coup se disent c'est quand même mieux quand c'est une initiative qui vient des Congolais pour nous dire comment on doit les aider. Parce que d'habitude, c'est toujours l'inverse. Ils viennent nous aider et ça ne correspond pas à la demande ou à l'attente. Un banc pour tous, c'est parti. Plusieurs associations et organisations de la communauté africaine ont commencé à se mobiliser pour cette grande opération. Le but, venir en aide à nos frères et sœurs en République démocratique du Congo en leur donnant la capacité d'étudier. Car vous le savez tous, sans éducation, pas de développement. La communauté africaine se mobilise pour l'opération Un banc pour tous en faveur des écoliers de la RDC.
cette église est animée par le pasteur Tony Silassi, qui en présence de l'échevin Ixellois pour le jumelage et du président de l'Union Kassaïenne de l'extérieur, a mobilisé ses fidèles pour une contribution très importante. Au nom de notre association Union Kassaïenne de l'extérieur, nous lançons un appel vibrant à toutes les Kassaïennes et tous les Kassaïens résidant ici en Belgique de soutenir cette action qui ne concerne pas seulement une région particulière, mais qui concerne tous les territoires du Congo. Donc nous demandons à tout le monde de soutenir très activement cette action. Souvenez-vous, le 10 juillet dernier, lors d'une collecte organisée dans le cadre de l'opération Un banc pour tous au terrain Kamagnola, les pasteurs jumeaux promettent solennellement l'organisation d'une collecte de fonds au sein de leur église, l'église de la Source du Salut. Deux semaines plus tard, dimanche 24 juillet, chose promise, chose due, cette collecte a bien lieu, confirmant ainsi si besoin est l'implication des églises et des pasteurs de la communauté congolaise qui, à l'instar des pasteurs jumeaux, continuent à sensibiliser les fidèles et ce, sous le regard de l'échevin en charge du jumelage de la commune d'Ixelles, Pierre Lardot, accompagné pour la circonstance de l'ambassadrice de l'opération, Solange Banza. Après avoir fait l'apologie des valeurs chrétiennes telles que la solidarité et l'amour du prochain, l'heure est ensuite à la cotisation, et le moins que l'on puisse dire à ce sujet est que les prédications livrées par les pasteurs jumeaux sont loin d'être restées lettres mortes. L'église Source du Salut a bien voulu contribuer à cette opération Un banc pour tous. Le montant total est de 1177,34 €. J'ai oublié une chose. En plus des 1177,34 €, nous avons 25 livres sterling. Comme il nous l'avait promis la semaine dernière, le pasteur Paul Okeke a reçu l'équipe de Télématongué et l'échevin des jumelages de la commune d'Ixelles, Pierre Lardot, et ce dans le cadre de l'opération Un banc pour tous. Reportage Cyprien Wetchi. A l'instar de ses confrères, le pasteur Paul Okeke a lui aussi emboîté le pas à l'élan de solidarité engendré par l'opération Un banc pour tous. En effet, ce 14 août dernier, celui-ci a organisé au sein de son église, la colonne de feu, une collecte de fonds, et ce, comme promis lors de notre précédente émission. En qualité d'invité d'honneur, l'échevin des jumelages de la commune d'Ixelles, Pierre Lardot, a ainsi pu témoigner de la participation des fidèles originaires de plusieurs pays d'Afrique. Voilà, donc ça c'est 300 € de la colonne de feu, c'est notre participation, tous les chrétiens de la colonne de feu soutiennent cette œuvre, bien qu'il y ait au moins une dizaine de nationalités, mais on se sent concerné quand il s'agit de notre prochain. L'évêque Martin Mouchebele, pasteur principal de la Nouvelle Jérusalem, qui compte 3000 membres répartis dans 33 églises, dont 26 en Belgique et 7 autres dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, a reçu dimanche dernier l'échevin ixellois des jumelages, Pierre Lardot, et ce, dans le cadre de l'opération Un banc pour tous. Cet ingénieur civil de formation, marié et père de 6 enfants, a été interpellé par les conditions de scolarité déplorables de ses jeunes compatriotes. C'est au culte dominical de 11h, le deuxième de la journée, que le pasteur a organisé comme promis, au sein de l'une de ses églises, située à Molenbeek, une collecte de fonds au profit des écoliers de la RDC. Après avoir rappelé à ses fidèles l'importance de l'instruction pour l'avenir d'un pays, ce dernier les a invités à poser une action concrète, invitation à laquelle ils ont généreusement répondu. A donné 1205 € plus $115 américains que je vous remets. Il
Une opération qui manifestement a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Lorsque nous avons été informés de l'opération des Amis des Wai-Chi, un banc pour tous, nous avons trouvé que cela s'inscrivait bien dans l'optique de ce que nous entreprenons pour notre pays. Et c'est donc avec plaisir que nous avons fait cela. Nous n'avons pas eu, d'efforts à mobiliser les fidèles parce qu'ils sont déjà inscrits dans cette ligne-là de poser des actes d'ordre social pour notre peuple au Congo. Nous quittons la Nouvelle-Jérusalem pour nous rendre à l'église Christ Bolingo du berger Gabi Le Béni, qui a aussi tenu à apporter sa contribution à cette grande chaîne de solidarité. Les amis de Wechi, accompagnés de l'échevin Pierre Lardo, se sont rendus à Malines, plus précisément à la New One Church, où ils recevèrent les fruits de la collecte organisée par l'assemblée de cette église en l'odeur de l'opération. Quand nous avons vu la cassette qui nous était proposée, nous nous sommes sentis obligés d'être membres et participants dans cette grande action qui est organisée pour notre pays et particulièrement pour les enfants de Kinshasa. Et vraiment, cela nous a touchés. Et quand nous avons appris cela, nous sommes une église qui existe à Malines, ça ne fait pas longtemps, mais nous sommes sentis obligés de donner 250 euros directement de nos ressources. Et puis pendant tout le mois d'août, nous allons faire une action dans l'église. Et au mois de septembre, nous allons recevoir encore les chevins pour essayer de financer encore cette grande action. Le message des amis d'Oichi a aussi été entendu par l'église de la Consolation du pasteur Kasongo. Celle-ci consacra également une offrande pour venir en aide aux écoliers de la République démocratique du Congo. Par le nom tout-puissant de Jésus, qui vit et règne à la droite du Père, et c'est lui qui donne aux semeurs la semence, j'ai ainsi demandé que Dieu bénisse ses offrandes et que l'opération Banc pour tous n'est que réussite, parce qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Et que cette enveloppe fait des exploits dans la vie de Kinshasa, ainsi de la République du Congo, dans la totalité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Ce 3 septembre dernier, dans le cadre du théâtre Mercelis à Ixelles, la société Western Union, représentée par Madame Béatrice Elumbu, a souhaité une nouvelle fois manifester son soutien à l'opération Un banc pour tous. Mais le moment fort de cette cérémonie fut sans conteste la remise d'un chèque d'une valeur de 5000 euros au nom de Western Union, montant qui sera intégralement versé sur le compte de l'opération ouvert à cet effet et géré par la commune d'Ixelles. En marge de cette cérémonie, plusieurs associations telles que Impulse, l'Union des Kassaïens de l'extérieur ou encore la société X4 ont également apporté leur contribution. La soirée fut quant à elle animée par Solange Banza, l'ambassadrice de l'opération Un banc pour tous. L'opération se clôtura en beauté par deux grands concerts. Le premier concert avait eu lieu le 8 octobre 2005 dans la salle Marignan et il avait pour vedette Félix Oisecois. Au cours du concert, une collecte fut organisée. Je suis très très content, j'ai remercié en tout cas tous les Bruxellois. Ainsi que tous ceux qui sont venus d'ailleurs, il y avait des gens qui sont venus de Londres, de Paris, de la Hollande, de Luxembourg, juste parce qu'ils savaient qu'il y avait une opération qui se faisait et que leurs artistes préférés étaient là. Vraiment, merci de nous avoir soutenus, d'avoir soutenu aussi cette opération, Un banc pour tous. Aujourd'hui, la communauté compte beaucoup sur la diaspora. Vraiment, la communauté compte sur la diaspora.
Parce qu'on suppose que cette diaspora, pendant tout le séjour effectué à l'étranger, a étudié, a appris des choses. Il faut qu'il y ait un feedback. Il faut que maintenant, au pays, les gens puissent avoir un retour, un écho de tout ce que la diaspora a fait. Vraiment, merci beaucoup pour ce rendez-vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein, bonne chance à Laure Mbongo ainsi qu'à d'autres qui viendront pour soutenir cette opération. C'est une véritable prouesse que réalisent les amis d'Ouichi, réunir toute la communauté congolaise autour d'un projet commun, à savoir l'opération Un banc pour tous. C'est dans un cirque royal archi-comble que l'opération Un banc pour tous touchait à sa fin. La communauté congolaise s'était à cette occasion mobilisée. Cette opération, qui pour rappel avait vu le jour le 26 mars 2005, aura également pu montrer que la communauté congolaise était désormais capable de marcher elle aussi main dans la main. Résultat des courses, 20 000 euros récoltés en quelques mois à peine, dont 60% affectés sur place à la fabrication des bancs scolaires, et ce, sous le patronage de la commune d'Ixelles et des amis d'Ouichi. Le lendemain de son concert mémorable, Laure Mbongo fut reçue à la commune d'Ixelles, où elle remit au bourgmestre Willy De Courty un chèque en faveur à l'opération d'un montant de 1 500 euros. Je suis très contente, premièrement, d'être participante à cette opération Un banc pour tous, pour aider nos enfants, pour aider la population congolaise, les enfants qui veulent bien étudier, mais qui étudient difficilement. Alors, celui-ci est le chèque que le cancer a pu donner à ses enfants qui sont à Kinshasa. Donc c'est une très grande joie pour nous de commencer et nous croyons que par la grâce de Dieu, le jour à venir, nous ferons encore plus et le Seigneur sera encore glorifié et notre pays ira de l'avant. Merci beaucoup. Je remets ce chèque à la commission. Le bilan est aujourd'hui, je ne dirai pas de secret par rapport aux chiffres, c'est de 20 188 euros. Mais au-delà des chiffres, je crois que c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est la mobilisation. Mais de, plus le chèque qui est arrivé aujourd'hui, de 15 euros. Non. Donc quand je fais le compte avec le chèque, okay, nous sommes à 20 188 euros. Mais je veux dire, au-delà des chiffres, ce qui est surtout important et remarquable, c'est la mobilisation de l'ensemble de la communauté congolaise, mobilisation autour d'un projet qui touche à l'éducation des enfants en RDC. Je pense que les résultats sont très encourageants et comme on l'a dit au cours de la conférence de presse, ce n'est qu'une étape. Bien entendu, nous allons poursuivre nos efforts et je dirais d'année en année, on fera un bilan en essayant de le concrétiser bien sûr avec l'argent qui aura été récolté. Mais je crois aussi que ça doit servir d'exemple puisque il y a une prise de conscience qu'il y a des possibilités d'action et pour aider le Congo. Et nous serions très heureux si cette prise de conscience s'effectue aussi dans d'autres municipalités qui excellent. Nous sommes, disons, un des pionniers, mais on espère que nous allons faire des émules. La visite de Laure Mbongo à la commune ne s'arrêta pas là. Celle-ci fut décorée de la médaille du mérite pour son rôle d'ambassadrice de l'opération Un banc pour tous
en République démocratique du Congo. Mon mot sera vraiment un mot de bienveillance, de réjouissance. Je dis gloire à Dieu, je dis merci, surtout à la communauté congolaise vivant ici en Belgique et puis à la commune d'Ixelles qui s'est vraiment engagée ensemble avec les amis de Wetchi pour soutenir cette action, un banc pour tous en faveur de nos enfants qui étudient à même le sol à Kinshasa. Vraiment, je suis très contente, je suis très à l'aise et je dis gloire à Dieu et le peu que le Seigneur nous a accordé, nous essaierons toujours de le mettre en œuvre, en exercice pour que nos enfants puissent bien étudier par la grâce des dieux. Voici l'une des premières écoles à bénéficier de cette action de solidarité. Il s'agit de l'Institut Wangata, situé dans la zone de Kinshasa. Un établissement connu pour ses images, des écoliers étudiants à même le sol. Comme les amis de Wetchi ont une relation particulière avec cette école de Wangata, nous avons décidé aussi que tous les bancs, tous les fonds que nous avons pu récolter seraient réservés pour équiper cette école. Et donc, grâce à notre partenaire ici à Kinshasa, Humanisme et Solidarité, nous espérons pouvoir vous fournir dans quelques mois 200 bancs. L'opération s'est terminée en beauté et l'ASBL a tenu sa promesse, acheminer l'argent récolté en Belgique jusqu'au Congo afin de venir en aide aux écoliers de ce pays gigantesque. On nous avait promis des bancs, ils ont réalisé leur promesse. Tous ces bancs, ce sont eux qui nous les ont apportés. Quant aux 40% du montant récolté, soit 8000 euros, ceux-ci sont confiés à l'ASBL Les Amis de Wetchi, ces derniers ayant pour mission de financer le Minerval des écoliers se trouvant dans le besoin. Ils sont venus nous voir et ils vont vous donner cette nouvelle. Ils ont sélectionné les élèves parmi vous et ces élèves, on va les appeler ici devant. Je laisse la parole à notre ami de Wetchi de choisir ses enfants. Avant de continuer, vous devez savoir d'où provient l'argent que nous amenons ici. Cet argent provient de nos compatriotes congolais qui résident en Belgique. Donc ce sont vos frères, regroupés en association. Des fois, on descendait dans des églises. L'argent de Mabonza, on prenait ça, on a ouvert un compte, on versait ça dans ce compte-là. Et aujourd'hui, on vous amène cet argent-là. Donc, cet argent vient de nos compatriotes congolais résidant en Belgique qui ont bien voulu vous aider avec cet argent-là. Insisti Bambou, oye! 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 Voilà les 350, 360 euros. L'élève Boulot qui vous caca va remettre cette enveloppe auprès du préfet de l'école qui va payer les minervales pour ses 12 enfants. La fille avait repris l'année, il n'y avait pas de moyens au niveau de la famille et pour elle c'est un choc. Elle voit, elle commence même à pleurer, c'est un choc. Et je crois prochainement, cette année elle va faire un effort, elle va passer des classes, elle va passer en sixième et elle est intelligente, très intelligente. Et c'est mieux que vous avez assisté, vous l'avez assisté. Et les amis qui me voient là-bas, je vous encourage, ne n'oubliez pas, hein, nous sommes dans un pays en développement, nous avons des problèmes très sérieux de scolarisation pour les enfants. Il ne faut pas nous oublier et je vous encourage pour penser en nous. Depuis lors, l'association des Amis de Wetchi continue son œuvre et ne cesse de faire preuve d'originalité afin de collecter des fonds, comme ici avec Mandibule, la marraine assise sur le trône du maréchal Mobutu, transformée en chaise humanitaire. Et pour s'y asseoir, un seul préalable, le paiement de 300 euros qui serviront à payer le Minerval des enfants. 250, 300 euros, participation, il y a plein de boules là.
2 mai 2009. Dans le cadre de la 16e édition de la chaîne de solidarité belgo-congolaise, la SBL a donné le coup d'envoi de l'opération En banc pour tous, un événement pour le moins festif marqué par les prestations 5 étoiles du groupe Vibration Schengen et les stars de Zaiko Langalanga. L'opération En banc pour tous, une opération qui cette année s'achèvera le 30 septembre, une performance remarquable pour une SBL pourtant en mal de subsides et qui, dit-elle, espère jouir du respect et de la confiance des pouvoirs publics lors de l'attribution des prochains subsides aux associations. L'édition 2009 de l'opération En banc pour tous, c'est cette année avec le soutien de l'agence Isbel située 25 chaussée de Wavre à 1050 Bruxelles. Pour tout billet acheté à destination de la RDC, 5 euros seront directement affectés à un enfant congolais. Une action valable du 2 mai au 30 septembre. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc pour nous, c'était quelque chose auquel on va dire ça nous correspondait. Voilà. C'est pour ça qu'un banc pour tous, on a tout de suite dit oui. Parce que c'est un thème, c'est l'éducation, c'est la jeunesse, c'est l'avenir aussi. Et il faut aussi qu'à travers cela, la jeunesse au Congo sache qu'il y a d'autres personnes qui pensent à eux, même s'ils ne sont pas présents. C'est dans ma galère que la gonne tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la gonne tout m'a quitté. Quand j'avais un peu, matin, midi, soir. On était ensemble à la rue Princesse, au milieu maquillé, à Salle faut payer le poulet. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyatao. Salut, c'est le groupe Magic System sur TV Matongue. Si tu veux pas être gaou, on te donne rendez-vous le 15 avril à partir de 22h au Caves. Viens mon frère, parce que quand tu viendras, 1 euro de ce que tu donneras ira pour l'opération Un banc pour tous. Ba maman, ba tata, ba ndeko, ba oti kolanda documentaire na biso ya les amis de Wechi. Toko senga na batu nyonso, bo jije biso, c'est long travail na biso. Nous, on est là pour réaliser les dernières volontés ya Monsieur Wechi Alexandre, qui est la solidarité. À partir de l'élobis, les amis de Wechi t'ont décidé. Trop banda qu'on expliquait l'idéologie à les amis de Wechi. Avant, trop banda qu'on expliquait te. Nous sommes là, faute n'angai Wechi. Banakin, bo excusez n'angai. C'est parce que n'aya qui n'a idéologie en boka, nakin. Heureusement, n'aza la ba petit n'angai ba kinois, ba vandisi n'angai. Bah, il si vieux, tika idéologie en boka, awa isa kin. Kin, yo moko, il faut expliquer biloko na yo. Kin, bah, koumi saka moutoute. Yango, le lo, les amis de Wechi a décidé qu'on expliquer idéologie ou ya les amis de Wechi. Idéologie ya les amis de Wechi, eza solidarité. Journalisme, eza moyen. Et ça, l'idéologie n'a pas sauté. Et ça, moyen utilisé pour atteindre notre objectif, il y a solidarité. Yango, na koyebisa pe, ba Congolais nyonso, oyo bazana étranger, surtout ba combattants, ba tika les amis de Wechi. Mbongo nyonso, oyo tozwaki, et ça, mbongo, yabana Belgique, ba konfiaki na les amis de Wechi. Biso ba les amis de Wechi toliaka mbongo ya mutute. Soki opesi biso 1 euro ekokoma. Tozwaki 20 000 euros. Soki oza na motema te, okokima na mbongo wana. Me mbongo nyonso ekomaki. Wana eza kalite ya liboso ya les amis de Wechi. Deuxième kalite ya les amis de Wechi. Biso toza ba nationaliste. Aide na biso eponaka ekolte. Batu nyonso topesaka aide.
ce qui a rempli ma condition donnée par les donateurs. Tout ça, ma tribaliste était. Et puis, à partir d'aujourd'hui, tu as lancé opération blague à part. Lingala soyilisé à Cyprien Wechi, tu es une opération blague à part. Opération blague à part et lingi kolobanini. Ceux qui ont sali blague, la makambo et tali Congo, au kouta nanango, biso to liaka mbongo ya mutumo kote. Opération blague à part et boti journée sans banc, sans chaise, sans tabouret. Date où il faut retenir, c'est le 1er septembre 2011. Jour wana biso nyonso tokofanda la mabele lokola bana na biso batangaka na mabele po toyoka souffrance oyo bana na biso bayokaka. Jour wana mama présidente olambi biloko opesi papa président na mabele adame nano na mabele amona nano pasi oyo bana na biso bamonaka yango. Jour wana mama Tshisekedi akolambe la papa Tshisekedi damage ati yango na mabele. Papa Tshisekedi na mabele. Jour wana papa Kizenga na mabele. Vital Kamerhe na mabele. Jour wana na parlement bazana ba réunion na bango bakolongola baba nyoso na président parlement Boshab na mabele. Na ba député nyoso na mabele boyoka nano pasi oyo bana na biso bayokaka na poto mobimba biso nyoso a commencer par Wechi na les amis de Wechi jour wana tokosala na mabele ba combattant partout bozala na mabele mama combattante alambi biloko apesi papa combattant na mabele. Donc le 1er septembre, il y a chaque année, et qu'on a la journée sans banc, sans chaise, ni fauteuil, 10 jours. Donc on sala baba pour la banana biso. Tant que banana biso va banana qu'on vend dans ma belle, le 1er septembre, il y a la journée sans banc, ni chaise, ni fauteuil. Maman batata bandeko, il faut tous aller à la Sony. Biso nyoso ba congolais. En commençant par le président, opposition, majorité, peuple congolais, nangai moko weti. Tozana bois, tozana ba menuisier, tozana mbongo. Et loko nini zangi biso, tosala ba bampo na bana na biso. Batu mosusu bazo iba ma minere na biso. Bazonginda na ba richesse na biso pona nini tozotika bana na biso na mabele eza faute ya nani bo continuer discussion oyo na bandako na bino